Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Donc aujourd'hui, un joli courrier avec deux jolis timbres et un joli washi, mais j'ai pas fait attention, je l'ai découpé, dommage, parce que je l'aurais bien gardé. Ne pas écraser ça. Donc, et puis une petite carte que j'ai reçue il y a quelques jours déjà, de Martine Cheval, donc dit Tinou. Bonjour Christine, pour me faire pardonner mon étourderie, je vais bientôt mettre en ligne ton envoi suite au défi d'Instag. Je l'ai vu, donc merci. Encore merci pour ce merveilleux cadeau, grosse bise Tinou. Donc je lui avais envoyé une enveloppe car elle avait fait le concours des 15 tags. Voilà, donc elle l'a reçu, c'est bien. Et elle m'avait envoyé des mots en anglais, puis du coup, elle m'a refait des petits mots en français. Alors, c'est super gentil. Merci, Tinou. Voilà, donc je montre ça, sa petite carte qu'elle a fait avec des papillons multicolores de plusieurs... alors, ça, on dirait des paillettes dans... je sais pas si c'est de ton truc cristal, là. Ou alors du glossy. Et elle a mis des paillettes dessus là aussi. Et une petite femme un petit peu en 3D. Voilà. Une petite carte sympa. Donc merci. Avec un joli timbre aussi. Voilà. J'aime bien, c'est des fleurs. Donc je vais vous montrer son petit cadeau. Voilà. En plus, voilà, elle m'a refait un moment nature. Voilà. J'adore, moi, ces mots en français. La vie est belle. Fait maison. Tada! Rigolo. Tous les chemins mènent au bonheur. C'est génial. Petit bonheur. La vie est chouette. C'est chouette. Une belle histoire. Un si doux moment, une très belle journée. Alors, t'as des beaux tampons, hein. Si un jour tu me refais un envoi, vas-y, tu peux y aller. Donner un sens nouveau à sa vie. Tu peux me refaire les mêmes, ça sera génial. Merci. La maison du bonheur. Des lits de gourmandise. Écoute ton cœur et va où il te porte. Ils sont super, hein, tes trucs. S'émerveiller chaque jour un peu plus. C'est la vie. En toute simplicité. Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. C'est super. Faire une pause, ralentir, s'arrêter de faire pour être. Sérénité, calme et tranquillité. Ben merci beaucoup, hein, ça me touche et il fallait pas te donner cette peine de réécrire encore, d'user un timbre à nouveau pour m'envoyer juste les petits mots en français, mais c'est super sympa quoi. Alors merci Tinou. Voilà. Donc j'ai reçu ce petit courrier de Stéphanie Coulier. Alors, Stéphanie Coulier, waouh, c'est joli comme tout, j'adore Noël, c'est magnifique. Donc, c'est pour le concours des 500, je pense. C'est magnifique déjà. Waouh, elle a fait une pochette en plastique transparent ici. C'est beau, hein, elle a fait un joli ruban. Elle a une petite pince avec un petit... petite locomotive là, c'est super, et un joli gros ruban là, et c'est magnifique ce ruban, c'est super pour fermer donc son happy mail. Donc sur, ah ouais, ça c'est une étoile qui s'ouvre comme ça, hop, et là aussi c'est une boule et hop, ça s'ouvre, ça fait, on peut mettre des petits messages. Oui, je peux les enlever, les servir. Ici, elle a fait des jolis tags. C'est superbe.
avec le papier de chez Action, là je reconnais. Un petit nœud d'organza, une jolie bordure là de petits rubans, un petit cœur orangé et le petit pingouin. Voilà, chercher le petit pingouin. Et le deuxième tag, donc c'est le même genre sauf en rouge, un autre petit pingouin et un petit cœur rouge avec la même jolie dentelle là. Super chouette. C'est beau Noël. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Noël. Ah, c'était derrière. Oh mince. Moi, c'était l'arrière en fait. Désolée. Donc là, c'est le devant. C'est magnifique aussi. Merry Christmas. Une super découpe. Et là, elle a fait sur du doré. Une découpe dorée avec une découpe vert. Des jolis flocons. Rouge et vert. Elle a fait comme une petite guirlande de chaussettes. Des petites étoiles. C'est joli. Et dedans, waouh, c'est joli comme tout. Ici, une petite pince rouge qui tient une carte, une ATC. Waouh. Avec un petit lutin, joyeux Noël. Trois petites demi-perles rouges. Ah pardon, je suis hors champ. Une jolie dentelle rouge doré, elle est magnifique. Ah, c'est super. Donc c'est une ATC, lutin de Noël 2021. Stéphanie Coulier, elle a mis son Gmail. C'est chouette ça, ton truc derrière, je peux pas le montrer, mais un petit peu comme ça. Hop, c'est joli. Il y a des petites feuilles. Voilà, donc sa petite ATC ici. Ici, elle a un trombone altéré de Noël. Donc, elle a fait un petit fanion. Ah, excusez-moi, j'arrive. Ah, me revoici. On avait sonné à ma porte. Quelqu'un m'a emmené un seau de choucroute. Et oui, en Alsace, c'est comme ça. Donc, me revoici. Donc, elle a fait un joli trombone altéré en fanion. Avec un cœur, un petit nœud rouge, un petit die cut quoi. C'est chouette. Donc elle l'a mis comme ça. Et dans la pochette, ça doit être sa carte. Oui. Donc elle a fait de jolies pochettes. Voilà, couleur de Noël. Winter Wish. Un petit bonhomme de neige qu'elle a colorisé. Un petit flocon. Donc c'est une découpe rouge. J'aime bien ce papier brillant en plus. Alors, je sais pas si c'est toi qui as colorisé. Non, peut-être c'est un papier comme ça, avec des petits points blancs. Voilà. Le petit bonhomme, des petits oiseaux. C'est joli. Coucou Christine. Oh, t'as une belle écriture, hein, Stéphanie. Coucou Christine, félicitations pour tes 500 abonnés. Merci beaucoup. Je t'envoie ma participation à ton concours sur le thème de Noël. Je pensais choisir le thème Halloween, mais je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas grand-chose, hein, comme moi, quoi. Sur ce thème, comme je scrape depuis moins d'un an, d'accord. D'ici l'année prochaine, j'espère être plus équipée sur ce thème. J'espère que ma création te plaira. Bisous Stéphanie. Et bien, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Noël, moi, j'adore. Voilà, donc ici sur sa deuxième pochette, donc elle a mis un morceau de plastique. Ah oui, c'est une petite pochette en plastique avec un petit die cut, enfin des petites étoiles qu'elle a mis. Voilà, c'est joli. Hein. Elle a fait une petite découpe carrée comme ça avec un petit lutin. Hein. C'est joli et quatre petits strass verts. C'est un peu plastifié, c'est joli comme tout. Non mais t'as bien fait de choisir ce thème là, moi ça me plaît. Ah, il y a quelque chose dedans. Ah, il y a un petit ange. Ah, tu sais, celui-là il va me servir. Je cherche des choses comme ça. Donc ça va me servir pour mes fenêtres si ça te dérange pas. Voilà, c'est superbe. Un joli petit ange en bois. Voilà, et je vais l'utiliser
rapidement. Voilà. Il y a un joli tag rond. Voilà, avec du ruban rouge avec des sapins. C'est joli. Et des die cuts avec un cheval, des petites étoiles et des petits bougeoirs. C'est joli. Hop. Donc c'est superbe. Merci beaucoup pour tes petites choses, tes petits cadeaux. Et je regarde ça pour autre chose. Hein. Oh. Il est passé à travers. Voilà, et donc derrière, j'ai regardé déjà les tags, hein, je vous ai montré. Voilà, son joli happy mail qui tient donc par ce petit, ce ruban comme ça. Voilà, et la petite pince du petit train. C'est chouette. Voilà, c'est sympa comme tout. Ça, je vais mettre de côté. Donc Stéphanie, je marque ton nom en quatrième. Hein. Isa Dupe, je t'ai marqué en numéro 3. En numéro 4, donc Stéphanie Couillet. Donc merci beaucoup Stéphanie. Donc il ne reste plus beaucoup de jours. Je pense que voilà, je sais qu'il y a encore Alex hein, qui doit envoyer sa participation. Oui, à 4 personnes, ça fera 5. Bon, tant pis pour les autres. Hein. Voilà, les petits cadeaux sont prêts. Donc, voilà. Je souhaite que tout le monde gagne. Hein. Voilà. Enfin, une personne gagnera. Et voilà, ça sera le tirage au sort le 30 octobre. Donc, pour Halloween, quoi. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, c'est super sympa. Et merci à Tinou pour ses petits mots en français. Voilà, un joli happy mail. Voilà, je te remercie beaucoup Stéphanie. C'est très sympa. Et même ça qui s'ouvre là. Pour mettre sur les cadeaux par exemple, hein, mettre le nom sur les cadeaux, c'est chouette. Voilà, merci pour tes petits cadeaux. C'est très gentil et c'est superbe. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir.